J'ai tellement de trucs, laisse tomber. Je sais même pas si je vais m'en servir un jour. Envoyer le lien. Ah, mais tu stream Twitch? T'aurais pu stream là directement? Alors, attends, je coupe le sondage là. Tu vois, là, les pacas, c'est des paroles là. C'est ça. Donc je peux mettre un paca, c'est ça? Ouais, paca tu peux. C'est de la merde, mais tu peux. Au moins ça arrête les balles de 9 minutes. Et cagoule, par contre, ça, il faut que j'en cherche une, j'en ai pas. Ouais. Non, ça se fait que t'as déjà le player. La quoi? Ah oui, mais t'as que le player en mode. Ouais, j'ai juste cette clé parce que je l'avais rangée dans le pack, enfin dans le truc sécurisé là. Non, je parle de du marché, en fait. Ah. Mais en fait, tu peux juste pas échanger avec les autres joueurs. Je peux prendre celle-là là? Ouais, prends ça, prends ça. C'est pareil, si à chaque fois que tu vas sortir en vie, tu vas sortir avec un sac à dos, donc n'aie pas peur d'en prendre un avec toi. Bah, maintenant que je suis avec vous, peut-être, mais quand j'étais seul, c'était pas vraiment le cas. Il faut vraiment pas que t'aies peur de sortir des armes. Au début, moi, quand j'ai lancé le jeu, mes premières sessions, enfin mon premier mois, je stockais en me disant ouais, ça c'est une M4 de ouf, je vais la garder, et au final, je l'ai jamais joué l'arme. Alors fais gaffe, la PP19 c'est coup par coup. Hein. Putain, pourtant quand tu regardes là, tu te dis c'est un truc bien, tu vois. Non. Non, c'est du coup par coup. On va sur quoi là? On prend la K74M. C'est des armes qu'on sort pas. Avec Ah, je suis combien? Deux chargeurs? Ouais. Putain d'armée en fait là dans mon Par stage, contre. j'avais vu. Un truc, quand Ouais. tu mets les chargeurs dans ton sac, tu peux pas recharger directement en appuyant sur R. Il faut que ça soit dans un gilet, c'est ça? Ouais. Ouais. Ou dans tes poches. Moi j'allais prendre un triton. Ouais, pour un triton, c'est rien les tritons. Je peux pas, c'est une de place. Je vous fais confiance, Pour un les gars. triton. Je vous fais confiance. Ouais, les soins c'est bon. Les soins c'est pareil. Ce que tu peux faire, regarde, mets-les dans. Tu vois ton bandage là? Ouais. Un bandage et un truc rouge là, M-stache, et tu les mets dans les poches. Tu l'as, ouais. Ça, ouais, ça. Et un bandage là. Et un Ouais, bandage. et à côté, tu mets un bandage. Là, voilà, et tu appuies sur 4 et 5. Mets ta souris dessus et appuie sur 4 et 5. Non, non, non. Mets ta souris sur le S marche. Appuie sur 4. Voilà, Voilà, pareil. et là, ils sont bindés en 4 et 5. Ok, merci. T'auras pas besoin de passer par tabs et cliquer droit, machin. Juste appuie sur 4, hop, il va mettre son range. Putain, ça, c'est des petits trucs, tu vois. Si tu sais pas, tu sais pas. Là, t'es bien. À la limite, t'as même pas besoin de prendre ton flingue. Ça roule. Ouais, ton flingue, tu peux le laisser. Hop, on te laisse le Oh, si tu chargeur. prends la K, ouais, t'as pas besoin Ouais. de flingue. Donc après, je peux mettre le reste là, les antidouleurs et tout, je peux les mettre dans la poche et les mettre Ouais, en exactement. 6-7, Ouais, quoi. anti perso anti d'enlure, moi je te laisse pas de les. Je te conseille de le laisser dans le conteneur. Le quoi? Dans ton truc là où il était avant. Le conteneur alpha, la pochette en bas. Celui-là là? Ouais.
Ouais, antidouleur. Non, non, le blanc. Le blanc. Okay. Ça marche. Ça, pareil, tu peux le binder en 6. T'as envie. Ça, c'est ce qui va te redonner de la vie. On ouais, appelle ça le cheddar en général si tu nous entends parler de cheddar, c'est ça. Le cheddar, je connais parce que j'ai beaucoup utilisé. On va où du coup? Savoir ce que je prends comme arme. Ben, il faut qu'on aille sur douane. Ok, c'est parti, MPX. Et moi, j'ai un Vector. Donc moi en je... MPX ou ouais, je suis en train de me demander si je vais pas prendre la DAR moi en plus. Ouais, j'étais en train de me tâter à prendre la DAR aussi. Attends, est-ce que j'ai un truc à faire avec une arme spécifique déjà? Attends, je regarde vite mes quêtes. C'est quoi, je vais prendre la DAR. Comme ça je peux sniper. Alors tu devais dans le littoral. Ok, non pas là. Oh, j'ai une quête qui est finie là. Ouais, j'avais des quêtes finies aussi que j'ai pas rendues. Moi. Je sais pas, on a dû quitter le jeu précipitamment la dernière fois. Je veux ça, le coca. Ah, faut que je suis cet opérateur du sec. Ok. Ah, déjà fait ça. Ah, j'ai une nouvelle. Faut que je suis cet scav à plus de 50 mètres. Une des dernières fois où j'ai joué, j'ai rush les dortoirs, j'ai niqué 4 joueurs, 4 objets. Après, je suis mort. Je suis mort par un scab. En ce cas, on fait vite fait une scab pour reprendre la main ou. Parce que moi, ça fait longtemps que j'ai pas joué, hein, j'avoue. Si tu veux. Une petite scave sur Shoreline, comme ça on peut sortir 2-3 petits trucs. Bon, vous me dites juste ce qu'il faut faire. Bon, moi je suis prêt. On peut aller sur échangeur, douane, pardon, au-dessus de douane, échangeur. Ouais, 10h11, c'est pas mal. Hop. C'est quoi ton nom sur C'est pas prêt, fais suivant. Fais suivant. Si tu fais prêt, il lance le jeu. Là, je fais prêt alors. Non. 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 Fais le truc. Je cherche un groupe en dessous de ton nom. Ouais, recherche un groupe. À gauche en dessous de temps. Putain, il est équipé son scav. Ouais, il est pas mal. Ouais. Ah, 8 minutes, moi, le scav. Rock Alpha, en recherche de groupe. On va partir à deux. Tu viens pas? Bah, j'ai 8 minutes, je sais pas pourquoi. Jure. Bon, bah, on va mettre prêt. Là, du coup, il faut pas tirer sur les autres scav. Hein. Ouais. Je tire pas tant que tu tires pas. Première fois que j'ai fait une scav, je crois que j'avais entendu dire faut pas tuer un des vôtres. Je crois qu'à mon avis c'est ce que j'ai fait tout de suite. Enfin, j'avais toute la map contre moi donc. Faut pas leur faire de doigts d'honneur, de. Ouais, les regarder de travers et tout. Ouais. Pas content. Ah, je peux produire des IFAC. Lourd. Tu l'as monté à combien Bah là, il est au niveau 2 et je suis en train de le passer au niveau 3. Là. Ah et putain, dans... moi je crois que. Je sais pas. Dans, 12... dans 12 heures. D'ailleurs, Keb, il s'est passé quoi avec Daisy de ton côté là? T'étais là, t'étais plus là. Fini. Mais t'es où? Pas là. Tu sais, je me suis fait opérer. Je pouvais plus jouer. Ouais, bah oui. Pendant un moment. Donc je jouais à la manette sur la play un peu de temps en temps et je jouais pas beaucoup. Et après quand j'ai repris du RP avec les potes sur GTA. Et ensuite on a fait quoi Kyle?
D'accord. Ensuite, on a fait, bah, après le RP, on est passé à Tarkov, hein, nous deux. On a fait beaucoup de Tarkov. Ah ouais. Putain, il me faut 4 niveaux. Bon. Après, on a repris un peu de GTA. Et là, on est passé sur... on est revenu sur Tarkov et là, on est passé sur New World. Entre-temps, j'ai fait un peu de Conan Exil avec d'autres potes. Je suis retourné voir Vince et tout pendant un ou deux jours. Ouais, ça a bien changé. Hein. Ah, ça a changé de ouf. Et il a eu du grade et tout. Ouais. Bon, t'es où? Ça spawn ou pas? Pas du tout. Je t'ai dit, moi, le chargement, c'est pas une affaire qui roule. C'est pour ça que je voulais changer mes paramètres, parce qu'à mon avis, je mets un peu trop de temps. Prendre contre le Mercom, dans ce cas, chemin de fer. Okay. Je t'attends. Ouais, donc c'est confirmé que je lag à mort dans le chargement. Je suis qu'à 85%. Mais tu l'as pas sur un SSD? Tarkov? Ouais. Normalement, si. C'est mon PC, il a qu'un SSD. Il doit être blindé ton SSD. Non. Non, j'en ai acheté un en plus à 2 Tera. Là, il a 2 SSD et il a un normal. Ça veut dire que quand moi j'arrive, les mecs, ils ont déjà fait toute leur game et tout, tu vois. Déjà, on arrive en milieu de game, nous. Enfin, même pas au milieu, en fin de game, on arrive. En tant que sclave. Il reste 16 minutes pour la fin du... j'arrive. Il y aura marqué fin de game. Et c'est bon, je suis là. C'est bon, je suis là. J'entends. Il faut que je me mette en anglais. Bonjour. Oui. Bonjour. T'as pas envie d'avoir un fusil? Tu seras plus efficace avec? Non, t'inquiète. Putain, y'avait pas de sortie par là. Fais chier. Ouais, hein, mec, fais gaffe, tire pas dessus. C'est un pote. Je l'ai reconnu à son petit bonnet. Oh là là, ça se voit que vous avez tellement plus de stamina que moi. Je suis même pas encore à la moitié. Moi, je suis déjà à la fin. Ah, là, on arrive. Des endroits plus ou moins intéressantes. On peut croiser des gens. Ça tire. Ça tire. Ça tire derrière. Ça tire vers des trucs électriques. Centrale électrique. Y'a rien. Tiens, regarde là, t'as un cheddar. Prends-le, si tu veux. T'as une pile là, je sais pas si t'en as besoin pour les quêtes. Je crois pas tout de suite en tout cas. Là il y a une attelle, on l'a aussi. Ici là. La Mercom, c'est fermé. Alors, fais gaffe ici. C'est ouvert en face, c'est nickel. Alors ici t'as déjà un coffre, tu peux avoir des armes. Il y a un très très bon casque, prends-le. Prends les deux trucs là. Vise-le dessus. Ouais. Ah, la clé RBKSM, je l'ai pas.
Fais Alt-clic quand c'est posé sur toi. Et là, tu fais Ctrl-clic. Ctrl-clic pour mettre dans ton stuff et Alt-clic pour mettre sur toi. Ok. Ah, ici, c'est le coin médical un peu. Et ça a déjà été fait. On va quand même regarder, des fois tu as des trucs. Regarde, t'as un CMS, c'est pas mal ça, prends-le. C'est quand t'as des... Quand t'as des membres en noir, tu vois. Là, il y a des kits de transfusion, t'en as besoin pour des quêtes. Tu peux te prendre aussi sur la table. Du rouble. À manger. Okay. Ça tire, hein, putain. C'est par là d'où on vient que ça tire. Wow. Ouais, on vient de là-bas. C'est combien de minutes Ah, ça fait 5 minutes qu'on est dans une game. Non, mais il y a combien de temps il Là, reste? t'as des chaînes, il reste 11 minutes, t'as une chaînette là, t'en as besoin aussi pour les quêtes. Un corbeau, putain, il me faut le corbeau. Ouais, l'inverse de Days, Tarkov, vraiment, t'as... les objets, ils ont un spawn bien défini. Regarde là, Enfin, t'as il y a des endroits de spawn bien définis, et là, après, les là objets, ils c'est sont aléatoires. le Kiba. T'as des armes. Regarde là, t'as une arme déjà, une AK-101 sur le mur. Tu peux le prendre si t'as de la place ou en seconde arme. Ici, tu peux trouver des armes. Ah, je sais pas ce que c'est. Je le prends. La lunette, c'est une lunette ça? Non, c'est un cross. Par contre, pour voir quelque chose là-dedans, c'est chaud. Putain, ça tire à mort. Là, ça a été fait, je pense, c'est vide. Crustose, on s'en bat les couilles. Il y a un mec à gauche, mais c'est un scaf, fais gaffe. Yeah. T'as le Rasmusen là-bas, tu peux trouver des cartes graphiques quand tu commences en. Enfin, en SCAF, c'est mort. Hein. Je sais pas. En SCAF, ça de... Je sais pas s'il y a des gens qui ont trouvé des cartes graphiques en SCAF, mais. T'as à manger une crosse là? Tu peux en avoir besoin pour me faire le montage de tes armes, j'en ai Mais pas, non, hein, des crosses. pas fermé. T'as une AKM? T'as de la place? T'as de la place ou pas? Là tout de suite, non, je crois pas. Je vais prendre. Et là, t'as encore un truc. T'es passé à côté. T'as une petite crosse en bois, c'est de la merde. Hein. Comme à l'école, Ah, j'écoute. des allumettes et une pince, t'en as besoin pour tes quêtes aussi. Par contre, quand quelqu'un l'ouvre, tu peux pas fouiller directement après? T'es obligé de le fermer d'abord? Ouais, t'es obligé de le fermer d'abord. C'est un peu casse-couille. Oh, par contre, ça, c'est un joueur, je crois. Fais gaffe. En fait, techniquement, je sais même pas où t'es. Suis sorti, mais je crois qu'il y a un joueur en face. Regarde, pour ton arme, tu peux faire CTRL-T. Non, Alt-T. Ouais. Tu peux voir ce que tu as dans le chargeur. Ou alors, tu peux faire CTRL-R. Voilà, pour remettre une balle dans le. Ou alors, Alt-R. Non, c'est pas Alt-R. Oh, je sais plus. Ouais, je suis en train de tirer dehors par la sortie où on doit aller. Il reste 9 minutes, Oh, 7 chelé, vous minutes. voulez fumer? T'es passé où, Cubs? Dans la tente, à droite. Ouais, par là.
Non, 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 reviens. Reviens, oui. Reviens, demi-tour. Voilà, okay. Là, c'est bon. Alors, quand t'as besoin... Ah, y a un mec par terre, là. On va le fouiller, on a le temps encore un peu. Quand t'as plus rien à manger, tu... Tu peux aller au fond du magasin de là où on est, là. Il a des chargeurs Stanag et... Un gilet par balle presse. Là, il y en a un autre. Tu vois, au fond de ce magasin, vers là-bas, là, vers le fond, tu auras plein de trucs à manger. Quand tu cherches des trucs à manger, c'est par là-bas contre, qu'on trouve. Au niveau de la luminosité, vous l'avez augmenté, parce que pour que toi, tu le voyes, moi, j'ai même pas vu qu'il y avait un mec là, dans le noir. Non, même pas, mais c'est une habitude, en fait. Là, t'as un coffre. À vendre. Il y a un gars là, non? Oh ouais, mais... C'est des scaves. Là, t'as un truc. Encore un coffre. Et il nous reste 5 minutes, après on va rush. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Archangel, Hopfort, PRS. Qu'est-ce que c'est? Là, t'as plein de trucs comme ça, des caisses à outils. Tu vois? Ouais. Là, ils sont tous ouverts. Mais quand tu cherches des trucs pour ta planque et tout, en général, t'en trouves un truc là-bas. Je suis désolé les gars, je vais aller renquêter sur LOL avec les deux. Ok, ok, vas-y. On va aller défoncer le ladder français. Vas-y, ça marche. Là au fond, à droite, au-dessus des conteneurs, t'as plein de boîtes. D'armes, boîtes d'équipement. Et là, il faut faire gaffe. Il y a un mec mort là par terre. Il y en a un qui a couru à droite dans le conteneur rouge. Ouais, c'est un scav. Okay. Il a pas grand chose d'intéressant. Oh, il a que dalle. Il y en a un autre là. Il a été dépouillé aussi. Viens, on va passer par là, viens. Petite technique, hop. Je sais pas si ça a tiré sur nous ou... Là-bas, tu le vois? Ouais, ouais, mais... C'est joueur ou scav? C'est scav. Ok. Putain, comment vous faites pour les reconnaître? C'est un truc de fou. C'est un chapeau. Ah d'accord. Ça tire avant de s'extraire en fait. Là, on va aller s'extraire. Il nous reste 3 minutes, on est bien. Voilà, là tu viens, tu te couches. Comment on fait pour se coucher? X. Ouais. Ouais, ça peut. Première fois que je sors de ce jeu. Mort de rire. Et là, tu vends tout ce qui ne t'intéresse pas. Ça, je sais pas ce que c'est, je vais le garder pour l'instant.
Et qu'est-ce qui ne m'intéresse pas? Je te pose la question. Non, la bouffe, déjà, je garde. Ça, c'est important. Ouais. Ce genre et de truc, genre fait, bouffe... C'est ça. Tu regardes mon stream? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Je vais te montrer un truc. Attends, il faut que j'y aille. Attends. Je vais y aller. Il est où, mon Kebs? Ah bah oui, bah tiens, justement, c'est pour ça que je te demandais quand tu stream, parce que je voulais follow, je voulais que tu voyes que je follow, t'as vu. Ah, non, je suis pas sur Twitch, là. Je stream sur... T'es sur le Discord. Discord, merde. Ouais. Attends, alors attends, parce que je suis en train de te chercher sur Twitch, sur le coin. Tac, tac. Tac, tac. Rejoindre le stream. Ouais. Donc je double clic. Compatible avec arme disponible. 0. Ok. Ok, ça marche. Alors attends, par contre. Bon, le voilà. Sac, le ça, je vais le garder. J'ai de la place quelque part. Ok, donc ce genre de truc, par exemple, je vends. Donc, pour vendre. Pour vendre, tu t'y prends comment? Faut le mettre d'abord dans ta réserve, c'est ça? Ouais, d'abord dans ta réserve. Ok, donc on va faire un coin vente. Comme ça, au moins, je suis sûr que voilà. Ça sera garde-le, le lui, ici. Celui-là. Lui, il va sur beaucoup d'armes. Donc, moi, le AK-12 aller. Ouais. Ok. Et ça, c'est quoi? Compatible avec armes disponibles? J'en ai pas non plus. M870, non, tu l'as pas. Le tu canon. Peux le vendre, hein. Ok. Donc ça, ça part dans le coin vente. L'additif, ça sert à quelque chose? Oui, pour tes quêtes. Tous les trucs pour tes quêtes, faut les garder. Et comment on fait pour tourner les objets de nouveau R. R. Ah, bah, merci. Ruban. Chaîne, tu m'as dit ça, faut que je garde. Kit de transfusion, je garde aussi. CMS, c'est une trousse de soins, c'est ça? Ouais. On va garder. Le pauvre Kebs, il est obligé de faire du babysitting, là. Bah non. Ça, c'est les balles. Les allumettes, on garde aussi, t'avais dit. Oui, t'en as besoin pour tes quêtes aussi. Et la pince aussi. Donc, finalement, je regarde. Le casque auditif, je le garde. Le couvre-chef, tout, je repars avec ce que j'ai là, en fait. Ou je range le... Non, je range tout, non, en non, fait. Là, c'est ton scave. À partir du moment où tu fais le suivant, tu perds tout ce que t'as pas mis, ouais, dans ta réserve. Tu sais quoi, c'est ce que je viens juste de comprendre, en fait. Ça m'est venu à l'esprit à l'instant, en fait. On va pas se mentir. Tu sors tout. C'est ton scave, là. Moi, j'étais en train de me dire, ouais, je suis tranquille, tu vois. Y a pas besoin de... Heureusement que Kadi est là, parce que mon gars... Je comprends pas, je suis rentré avec plein de trucs, mais j'ai plus rien. Tac. Putain, par contre, va falloir que je m'achète des caisses ou des trucs comme ça, je crois. Tu peux prendre une caisse SCAV. Parce que là, en fait, là, techniquement, si je peux prendre des armes aussi. Je peux pas ranger des trucs dans un sac, par exemple, là, pour faire de la place? Ah, si, bien sûr, dans ton gilet, dans ton sac, tu peux ranger plein de trucs. Ah, nickel. Bah, tu sais quoi, je vais faire ça parce que sinon je peux même pas sortir les armes là, en fait. Étant donné que c'est la première fois que je sors avec quelque chose, désolé, mais j'ai pas vraiment l'habitude. Quoi. Hop, hop. Ouais, fais clic molette sur l'app. Wouah! Beaucoup trop bien. Voilà. Fais clic molette sur l'autre aussi. C'est beaucoup trop bien. Tu gagnes déjà de la place.
Tu vois, toutes tes mules là, PC, Ouais, PST, ouais. vends-les, c'est de la merde. Je vends. C'est des Je balles en caoutchouc. garde juste les chargeurs. Ouais, garde juste les chargeurs, les autres vends-les. Ok, donc ça je peux pas le monter plus haut, je le mets là. Ça je le mets là. C'est juste pour que je puisse sortir l'arme. Hop. Et hop. Et là je fais suivant. Et on va aller vendre. Ok. Ok. Première fois que je range quoi que ce soit dans le jeu. Forcément. Donc là, je vais dans personnage. Et tu m'as dit de vendre toutes les balles. Ouais. Ces balles-là, elles te servent à rien. Et ça se passe comment pour vendre, tu m'as dit? Alors, tu vas chez marchand. Ouais. Va chez le mécano. Mécano, c'est Deuxième en bas. là. Ok, et là je peux vendre alors. Tu cliques sur vendre en haut. En haut à gauche, sur vendre. Et là, tu fais contrôle-clic. Sur tout Contrôle-clic. est. Tout est. Tout est. Non, tu fais juste un clic, contrôle-clic. Ok. Voilà. Je vais voir après ce que tu as que tu peux vendre. Et ça aussi, tu m'as dit. Remonte. Remonte. Quoi, tous ces petits chargeurs que t'as là, c'est les chargeurs de quoi? C'est le pistolet que j'ai là, le Oh, celui-là. gardons deux. Gardons deux. On vend tout le reste. Voilà. Et là, je fais vider alors. Non, tu fais conclure en haut. Ah oui, ça serait peut-être plus simple. Ok, nickel. Voilà, déjà là, tu as gagné de la place et un peu de thune. Enfin, niveau place, on n'est pas ouf quoi. Il va falloir que je me tape un sacré rangement. Et sur le coup, maintenant que je suis revenu avec du matos, je peux équiper. Là, tu peux lui mettre le casque. Ouais, par exemple, le Fais un casque. double clic sur le casque, je crois que c'est un putain de casque, le Bastion. Hein. Le casque que tu as sorti là. Je crois que c'est un putain de. Casque Diamond Age Bastion. Classe de protection 4, hein, il est pas mal. Alors c'est pas le top, mais il est pas mal. Tu peux le mettre, oui. Ouais. Ton perso. Tu peux mettre le M12, les lunettes, le M12. N'aie pas peur, hein. De toute façon tu vas perdre des trucs et tu vas Ah en oui, ça c'est sortir. clair, on va en perdre. Et là, on est bon alors ou il faut que je prenne un truc de soin aussi en plus ou... T'es pas mal là. Tu peux prendre un CMS que tu peux mettre dans ta pochette en bas. Ok. Bah ok, Voilà. nickel. Comme dit ça, c'est quand t'as. En fait, quand t'as des membres noirs, c'est-à-dire quand t'as plus. Ton membre est mort, tu vois, en fait, il t'a niqué. Si tu veux que le repasser en rouge et reprendre de la vie, il faut que tu utilises le CMS. Ok. Sinon, tu Ça peux pas. marche. Ok. Si tu as un peu de bouffe, prends-en. Un Oui, peu d'eau. en plus je suis sorti avec, donc Voilà, prends un peu de bouffe et un peu tac, d'eau. voilà. Ok. Toujours quand tu pars en raid avec ton perso, toujours prendre un peu de bouffe, un peu d'eau. Bah voilà. Ouais, là, je suis en train de te dire en même temps, je l'ai pas fait, donc je vais le faire tout de suite. Putain, je commence à avoir des douleurs. Hein. Chérie. Oh non, laisse tomber ta Rox avec toi. Attends, je vais juste me chercher un médoc, j'arrive.
Voilà. Parce que là, ça commence à tirer. Ok, ensuite, ben, tu peux prendre ton PMC. Ouais. Suivant, on doit aller sur Douane, il me semble que tu dois aller chercher deux trucs, ouais. Ouais, et puis c'est bien, c'est la map que j'aimerais bien. Enfin, que connaître. J'aimerais bien connaître. Ok. Du coup, on peut. 13h20. Ouais. Suivant. Si t'as des trucs à assurer, tu le fais. Moi, ils sont déjà tous assurés. Là. Bon, moi, tu m'as dit non. Tu m'as dit pas besoin. Ça te sert à rien, toi. Ouais. Et là, je refais suivant. Suivant. Et tu fais rechercher groupe. Ah oui, donc ça, c'est pour l'assurance. Suivant. Et je fais rechercher groupe. Ouais, wow, il y a plein de gens qui chargent les groupes. Si j'avais su ça avant, j'aurais peut-être survécu un peu mieux. Alors, Rock Alpha. Je te vois. Bien sûr, j'accepte. C'est ça où je meurs, alors, forcément, tu penses bien. Alors là, je suis avec deux armes, moi. Je suis en mode sniper et. Ouais, je vois que, ouais. T'es bien beau, dis donc. Enfin ouais, attends, je peux le perdre à tout moment. Hein. C'est assuré. Ouais. C'est parti. C'est assuré sauf qu'on te le prend. Ah oui, c'est assuré qu'à la condition qu'on le laisse sur ton corps, et c'est vrai. C'est ça. Après, je me bats les couilles. Hein. Tout ce que j'ai perdu déjà. Et tout ce que j'ai looté. Moi, c'est surtout tout ce que j'ai perdu et tout ce que j'ai pas looté. Non, mais quand tu fais une game où tu sors juste au flingue, que t'arrives à tuer 8 scaves et que t'as réussi à te faire une tenue complète alors que t'es sorti qu'avec un flingue et que t'arrives pas à t'extract, franchement, c'est chiant. Quoi. C'est vraiment casse-couille. Ah bon. C'est nouveau ça, ça vient de sortir. Donc vu qu'on lance ensemble, on va forcément spawn au même endroit, c'est ça? C'est ça. Ouais, je te tire pas dessus quoi. Ce serait bien. D'accord. Ce serait vraiment gentil de ta part de ne pas me tirer dessus. Ouais. Je vais faire mon possible. Oh là là. Regarde mes images et tout pendant le chargement. Je vois le mec qui regarde son arme en slow motion. Là, tu vas entendre Kebs me dire, t'as pas encore spawn? Non. Moi, je suis en attente de joueurs. Moi, je suis en chargement des objets. Là, de toute façon, tant que t'as pas spawn, tant que toi, t'as pas tout chargé, moi, je suis en attente. Ah oui, ouais, donc tu m'attends, quoi. C'est bien sûr. Mais tous les autres joueurs, pareil. On va tous spawn en même temps. Je retarde tout le monde, ça, c'est l'avantage. Ils auront pas d'avance sur nous.
attente du début de session. Ok. Allez, je suis après toi. Déjà, tu fais B pour voir si tu es en auto ou en rafale ou. Là, je suis en auto. Il y a marqué okay. Auto. Parfait. Alors, on est où? On est là. Notre extract, elle est. Au carrefour, parc Armorque. Ok, on doit aller vers là. Voilà, là, tu vois les vrais joueurs. Le mec, il voit que des arbres, il sait par où aller. Il n'y a pas que des arbres, déjà il y a un mur pété. Oui. Y a c'est une un antenne. Point de repère ça. Oui, ouais, oui. Bah, pour ceux qui connaissent, oui, c'est un point de repère. Alors là, il y a les dortoirs, il y a des mecs qui vont arriver en face de nous. Hein. Fais gaffe. Déjà. Ah oui, oui, déjà. Putain, c'est efficace. Hein. Donc là, si je vois quelque chose qui bouge à part... Appuie sur Caps Lock. Quoi? Voilà. Caps Lock. C'est quoi? C'est... le cadenas. Ah oui, ok. Déjà, tu bouges sans faire de bruit, tu vois. Là, il y a sûrement des mecs qui vont arriver en face de nous. En trace. Alors là où on vient de passer là, la porte. T'as vu la porte rouge à notre droite? Ouais. Alors là, des fois il y a un véhicule. Et pour monter dans ce véhicule, il faut, il me semble, 6000 roubles ou un truc ou 3000 roubles, je sais plus. D'accord. C'est une extracte. Ouais, ah oui, une extracte à condition. Avec, oui. À condition d'avoir de l'argent. Ouais. Okay. Et il n'y en a qu'une. Si un joueur l'a pris, toi tu peux pas la prendre derrière. Ok. On va aller au big red. Hein. On va essayer de voir s'il y a des esclaves là-bas pour toi. On va voir s'il y a des esclaves en face là. Ah, fais gaffe, il peut y avoir des joueurs juste en face de nous là. Ça a l'air bon. Il n'y a pas de scave, on va traverser. Voilà, là en bas, au rocher là, au rocher plus bas, il y a le bateau du passeur. Pareil, c'est quand il y a un feu, quand tu vois qu'il y a un feu et qu'il y a de la fumée, c'est que tu l'extractes et open, tu peux le prendre. Ok. S'il n'y a rien, tu peux pas. Mais bon, là, on va pas prendre l'extract tout de suite. Là, on se dirige vers le Big Red, près de notre extract. Attention, il y a un scav. Il est mort. Tu peux aller voir s'il avait un... Je couvre. S'il a un P133. Couche-toi, hein, couche-toi. Ah non, putain, je suis en train t'es en train de faire l'inverse. Ouais, oui, je suis en train de me déloot en fait. Ouais, pour les casques de nouveau.
prends tout ce qu'il a et tu regarderas après. Putain, faut fouiller partout. Le fouille te prendra moins de temps au fur et à mesure. Allez. Il avait un MP133 ou pas? Je vais regarder. Non, c'est saga, non. C'est pas ça. C'est une saga? Ouais. Ouais, c'est ça. Voilà. Okay. Là, on va courir, on va faire du bruit, hein. Mais bas les couilles. Bon, t'arrêtes pas. Là, on arrive au big red. On risque d'avoir du monde aussi ici. Au train. Là, déjà, il y a un mec qui a lâché son gilet. Pourquoi? Tu vois le gilet par terre là? Ouais. Il n'y va pas, attends. C'est un attrape. Ouais, ça peut. Un attrape noob. Je vois rien. J'essaie de voir s'il a un truc dans le gilet. Je le couvre. Je me suis couché dessus, c'est ça? Ouais, ok. Non, vide. Ok. Train et le long du train, donc on va y aller. Hein. Bon, allez, c'est parti. Notre extract, elle est au bout de la route là. Fais gaffe ici. Il peut y avoir des esclaves ou des joueurs. Il y a des esclaves. Tu les as entendus? Ouais, là, en face. En face. C'est un joueur qui est mort là ou c'est un scav? C'est un scav, je crois. On y va. Là-dedans, t'as des trucs médicaux. Et des doutes. Je te laisse regarder. J'aurais dû prendre la clé du bugred. Pourquoi j'ai pas pris? Fouille de corps. Ça devait être un joueur parce qu'il a une Saiga. Oh, fais gaffe.
l'occupe. Mort. Ouais, il avait double arme sur lui, donc... Ouais, ça pouvait être un joueur scav, ouais, peut-être. PP91 ou Saiga? Vaut mieux prendre. Les deux sont pas ouf. Mais ils ont que des Saiga, ça casse les couilles. Par contre, lui, il a un gilet tactique pas trop mal, Azimut, tu peux le prendre. Il avait un sac aussi. Ah, je sais pas où tu l'as tué l'autre. Juste l'autre côté des, à côté de la poubelle bleue. Là, face de moi. Derrière toi. Ah là. Oh putain merde. Je suis complètement perdu. Le pauvre. Il est obligé de supporter ça. T'inquiète, j'étais perdu aussi. Tu m'as vu faire un demi-tour sur moi-même, tu t'es dit ah ouais quand même. Ah lui il a un putain de gilet tactique en vrai. Attends. Parce que c'est un gilet tactique qui fait gilet par balle en même temps. Non, ça passe pas. Son sac à dos, oui. je vais le laisser. Ok, il a rien, il a un gilet presse, on s'en fout. Ok. T'es comment au niveau bouffe et Je suis à 73 et 68. Ouais, ça va. On va aller chercher des scaves. Hein. Là, il y a quelqu'un qui est mort. Il avait quoi sur lui? Ah bon? Oh, je l'ai même pas vu. Une Saiga. Mais ils ont que des Saiga aujourd'hui ou comment c'est? Ils sont où les MP133 là? Ouais, il a rien. De toute façon, il a déjà été vidé le gars. T'es monté? Non, je suis allé à gauche, à droite. Je suis sorti, là, ouais. À droite, voilà. Et après, à droite. Enfin, c'est bizarre de dire à droite, alors qu'il y a une seconde de décalage. Hein. Je sais que c'est chiant pour toi, mais... par rapport à ce que je vois. Ça va, ces derniers temps, j'ai réussi à faire une ou deux secondes de décalage sur Twitch, alors ça va. Je suis content. Yo Sierra. Il y a des clubs, les clubs c'est important, c'est une mission. Ouais. Ça c'est le seul truc que j'ai retenu de quand j'ai commencé. Les clubs, faut prendre les clubs. Bon, tu es pas tout de suite à la quête des clubs, mais il y a un G-phone aussi, un G-phone cassé, ça c'est important aussi. Il y a du ruban. Ouais, mais là je suis full en fait. Ah t'es full hein. Ouais. Okay. Mais je pense qu'il y a plein de choses que je peux jeter. Bon. J'ai de la seringue, j'ai de la maillot. Ah non, je jette rien. Dans ce jeu, je jette rien. Ok, je jette rien. Bon, on va aller s'extraire. T'es parti là, ouais, on est d'accord. Alors, est-ce qu'il y a le parc remorque dans l'extraction? Oui. Le parc remorque qui est sur notre gauche, hein. Ouais, d'accord. Voilà. Ouais. Je commence à m'y faire, hein. Je commence à m'y faire. Mais par contre, je sais pas où elle extracte ici. Exactement. Au pire, on verra. Hein. On tourne. Je crois qu'il est derrière ce bus. Non. Ou il est dans le bus, peut-être. Oh, c'est possible. Ça serait le seul endroit où tu peux rentrer. Non. Non. Attends, parc à remorque. Ah non, il est au fond là-bas, je crois. Oui, c'est bon, je sais où il est. Ah oui, c'est dans la petite cabane sous les arbres. Faut ouvrir la porte et. Non, c'est pas ça. Non, c'est là. Ah, c'est pas celui-là. Voilà. C'est ici où je suis.
On n'aurait pas eu ton fusil, fais chier. Écoute, ça fait déjà deux fois que je sors vivant et rien que ça. C'est déjà énorme. Ah, mais faut trouver ton fusil là. Normalement, sur l'esclave, c'est le truc le plus facile que tu trouves. Mais je crois que c'est un joueur, hein, parce que le mec il a. Enfin, mais tu peux équiper ton scav? Non. Tu peux pas. Non. Parce que le mec il avait de la maillot. Mais tu peux looter avec ton scav. D'accord. Bah alors, Comme on l'a fait tout à l'heure. c'est forcément que c'est un joueur, parce qu'un scav normal ne lootera pas. Non. Parce que le mec il avait de la maillot sur lui, ça c'est. Il peut pas spawn avec deux. Enfin, en scav, tu spawns pas avec de la maillot, quoi. Enfin, je sais pas. Je me trompe Non. peut-être, mais. Ok. Donc là, il va vraiment falloir que je fasse du rangement ou que j'achète des caisses. Pas trop le choix. Alors, personnage. C'est le moment le plus dur dans toute cette histoire. On va voir, voir chez les marchands une fois. Ouais, On va voir la marchand. Toubib. Tu veux que j'aille voir qui? La Toubib. Toubib. Voilà, Madame Toubib. Ouais. Combien il coûte? 1 million machin là. 1 million 100 000 la botte scav. C'est ça qu'il faut que tu vises. Moi j'en ai deux et ça aide vachement. Tu peux Un mettre million. plein d'objets. Tu peux mettre tous les objets là-dedans en fait. 1 million, ok. Bah, il est dans 500 000 roubles. Je pourrais le prendre. Ouais, en fait, tu peux pas mettre tes armes, tes équipements, machin et Ouais, tout, mais mais tout tu ce peux qui est mettre tous les matos. objets. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Genre la Sur le soirée. coup, sur le coup, sur le coup, ce qu'on. Enfin, ce. Et quand tu veux regarder dans un objet, tu fais comment? Double clic. Tu fais ouvrir? Non, double-clic? Ah oui, ok. Ouais. Ok. Ouais. Je pense qu'il y a quand même des trucs que je peux vendre là sur le coup. Hein. Ouais, la Saiga, tu la vends avec les chargeurs et tous tes chargeurs 19, tu les vends. Ouais, déjà rien que ça, ouais, t'as raison. Allez. Donc ça, on va chez Préport pour ça, j'imagine. Non, 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 D'abord, d'abord il tu faut que mets je ta le perso. mette. D'accord. C'est des mécanismes qui vont finir par rentrer à un moment. Et tu vas chez le mécano. Ah, chez le mécano, ok. Donc ça, 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 ça. Et ces chargeurs-là aussi, là, les 9-19, parce que l'arme, Ouais, finalement, je l'ai même plus. tout, 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 tout. Ouais. Et ça, tu Ok. vends. Le Donc, sac, tu peux le vendre. le Le sac sac aussi? carré, là. Le petit sac carré, tu peux le vendre. Ah oui, mais j'ai mis un gilet dedans. Dans celui-là? Ouais. Tac, voilà. Ce gilet, c'est de la merde. Double On clic sur le gilet? peut le vendre aussi, je pense. Merde, attends. Ouais, t'as Ferme, vu la ferme. place que ça a, hein. Ça a vraiment pas beaucoup de place, c'est de la merde. Le vendre On va vendre, je vais juste le monter ça sac, pour tu peux le pouvoir mettre le vendre. sac dedans. On va vendre, hop. Ok, donc on va déjà vendre ça. Tout le reste, Donc, tu peux le c'est vendre. pas lui. C'est ici. Mécano, plutôt. Hop, On tu peux le va d'en vendre à la louche. vendre. Hop, 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 hop. Et il prend pas la Saiga, t'as vu? Normal. Tu vas voir, il va te la prendre après. Conclure. Ouais. Reviens sur ton perso. Ouais. Un double clic sur la Saiga. Voilà, enlève-le toutes tes pièces. Le chargeur, la balle, enlève tout, 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 tout. Pièce par pièce, t'enlèves tout. Ah, il était full équipé. Enfin, full. Façon de parler. Équipement, ouais, t'es équipé de base. Ok. La balle aussi, voilà. Maintenant, tu reviens chez le mécano. Vendre. Et là, magie, il prend toutes les pièces et la Saiga, elle est trop abîmée pour qu'il te la prenne. Donc je vais l'ajouter. Non, tu Non. vas la vendre à un mec. Ok. Conclure. Tu reviens voir les marchands. Yes. Tu vas chez Fence. Fence. Hop. Le troisième. Hop. Il veut pas. Et lui, tu ne vends que la Saiga. Hein?
Tu lui vends que la saga, le truc en rouge. Tu lui vends que ça. Parce que lui, c'est. Il prend tout, mais il le prend pour pas cher. D'accord. Et pour le sac et le Ouais, tu vas voir Ragman. Ragman. Le 3, juste en dessous de Fence. Alors, sac et les deux gilets, je les vends aussi. Ouais, le Hop, sac, hop. les deux gilets là. Descends, je crois que t'avais encore un truc à vendre en bas. Ah non, c'est bon. Conclure. C'est parti. Le couteau, garde-le. Je te conseille de le garder. Ouais. Ça, je garde. Parce que avec 8 couteaux, tu peux avoir un MP5 gratuit en échange. Pas mal. Bon, je vais juste enlever quelques trucs là. Parce que j'en ai en beaucoup trop. Ouais. Oh, machin. Seringue, ça, je garde. Enfin, j'enlève. Ouais, tu vas en avoir besoin pour tes quêtes. Ça, j'enlève aussi. Le ruban, j'enlève. Et voilà, c'est bon. La clope. Bah voilà, là je suis de nouveau bon là. Tu peux enlever les cigarettes et mettre la telle à la place. Et mettre la telle ici. Ok. Vais mettre la telle enceinte. Ok, parfait. Voilà. Nickel. Alors, je vais recharger. Ouais, non, on a pas besoin de recharger. Oh, moi je suis sorti avec des trucs, mais je sais même pas pourquoi je suis sorti avec ça. Ok, en attendant que notre perso il récupère tranquillement, on peut aller faire une esclave, toujours aller looter et vendre pour se faire de l'argent. Moi, eh Toujours. ben, j'ai pas besoin qu'il Bah tu peux récupère. avoir. Tu peux avoir ton MP 133 sur ton esclave, par exemple sur Non, le non, mais mien je veux il y est. dire la récupération du perso. J'ai rien pris, moi. Ah oui, mais en eau et en bouffe. Comme ça, tu n'utilises pas. 16h40, échangeur. Alors, suivant. Échangeur, 16h40. Suivant, recherche de groupe. Merde. Oh, elle est pas mal cette arme, je sais pas ce que c'est. Il manque juste une crosse, mais j'ai un silencieux dessus. Bah, la crosse, tu peux l'acheter. Oh, il faut que je Ou sorte alors. avec celle-là, dis donc, elle est bien belle. Bien Ou mignonne. alors, je peux te la ramener. Non, t'embête pas. J'en ai une qui Oh, traîne en t'inquiète. plus que tu m'as pas fait vendre. Peut-être que ça ira dessus. Oui, mais tu peux pas la mettre tout de suite. Il faut que tu achètes des pièces pour pouvoir l'assembler. Et Allez, c'est vrai. quand tu l'as pas. Moi, j'ai une MP133. Je crois, je vais pouvoir te la donner. Yes. Non, c'est pas John Wick, moi. Ah non, 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 retour. Ouh, j'ai eu peur. Quitter le groupe? Non, pas lui faire quitter le groupe. Recherche. Non. C'est pas Ofli que je veux. Lui, je veux. Voilà. Oh, Ah ouais, pas belle mal ton casse. arme. Ah, le casque, c'est de la merde. Eh, Je moi, crois que c'est un. j'ai les références Days, hein, alors tu te calmes. Sur Days, c'est très bien ça, hein, ok? C'est Ah le ouais, ça casque de joue sur Day, pompier. c'est pas mal. J'avoue. Moi, je débarque J'avoue. de Days, alors le casque, je trouve ça bien. On était putain de bien équipés sur Day, hein. Ouais, mais quand et une fois que t'étais parti, c'était trop parti en couille, mec, aussi. Hein. Faut pas se mentir. Il y a eu des guerres avec les. Comment ils s'appelaient? Je sais même plus leur nom maintenant. Les TGS. Voilà, les Space Naz, merci chéri. Voilà. Personne. Les Space Naz, les TGS, ils ont implosé. Ils se sont divisés en deux. Après, ils se sont divisés en trois. Après, la moitié s'est barrée. Les autres ont continué à jouer. Enfin, c'était un bordel.
Et pendant tout ce temps-là, il y avait deux dudes qui étaient chez TGS, qui étaient en vacances, et quand il est revenu, il n'y avait plus personne. Il n'y avait plus de base, plus de TGS, plus rien, tu vois. Il s'est retrouvé con. Le pauvre, il était à poil. Toi, t'es parti pour quoi ? Écoute, moi, je suis parti parce que ça devenait n'importe quoi. Vraiment. Tu pouvais plus jouer sans qu'il y ait d'histoire et tout. Enfin, c'était, ça devenait assez chiant et j'avais plus plaisir à jouer, donc je suis parti. Ah, t'as bien raison. Je reviens tout de suite. Vas-y. Pas une vidéo à faire aujourd'hui. Non, j'ai déjà fait ça. Ah, ok. Je crois que ça est bien. Elle est aux anges. Elle a la couverture, le gilet, sa maman. Elle m'a fait un clin d'œil. Check. Ah ouais, l'école reprend demain, c'est vrai, c'est bien vrai. La reprise de l'école. C'est l'école. Ah, ça commence à me tirer dans l'épaule. Mais le jeu, t'es là, Cubs ? Oui, oui. Ah, le jeu, il n'est pas devenu un peu moins... Enfin, façon de parler, mais un peu moins coté que il y a un an ou deux, là. J'ai l'impression qu'il y a moins de joueurs, quand même, qu'avant. Oui. Il y a eu un moment de hype sur le jeu, où il y avait beaucoup de monde, mais... Oui, ça s'est calmé. T'es là ? Ouais, t'es là. Ouais, je suis là, je vois... Je vois gris. Bonjour. J'ai un MP133. Bah garde-le pour l'instant. À la limite, ouais. Énorme avant se... Voilà, c'est ça. Voilà, je préfère ça comme ça en fait, en vrai. Parce que si tu me le donnes maintenant, je te donne le mien. C'est exactement le même endroit. Tiens, là, là. Je suis sûr qu'avec le mien, tu serais, t'arriverais mieux que moi. Franchement. Déjà, mets-le en. Merde, non, j'ai appuyé sur R, quel con. C'était quoi la touche que tu m'avais dit de nouveau ? B. B. Semi-auto ? Bah j'ai que semi-auto. Ok, c'est énorme semi-auto. Il y a un joueur en face ? Il m'a fait peur ce con. Ouais, il m'a fait peur aussi. Tire dessus ? On se fait tirer dessus, fais gaffe. Donc c'était quand même un joueur. On s'est fait tirer dessus de où par contre ? Oh là. Oh, ah, il m'a eu. Oh non. Il m'a niqué. Mais je crois que j'ai touché. Il m'a mis une tête. Hein. Il va rush. Il va rush, fais gaffe. Fais tac 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 tac. Hein. Sans... Ok, t'as pris ce Noscav, on s'en fout. Je sais pas sur qui tirer. Non, 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 pas lui, pas lui, pas sur lui. Reste pas tout le temps comme ça, ouais, parce que tu commences à trembler en fait. Parce que tu restes tout le temps en visée. Ça, je suis pas bien, je sais pas quoi faire.
Je savais que t'aurais dû avoir mon arme. Tu l'aurais défoncé. Là, j'ai tiré sur la tête déjà. Mais fusil à pompe, quoi. Là, il y a une sortie, pas? C'est quoi ça? C'est un scav. C'est un scav joueur. Il faut que je le bute ou pas? Non, bah non. Non, 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 non. Par contre, il va prendre l'arme. L'arme kit que j'ai sur mon mec, il faut, hein, dis pas. À moins qu'il s'en bat les couilles. Ah, il l'a déjà pris. Il l'a pris. Prends le sac par contre. Il était là où il y a les vêtements là à gauche. Il se cachait derrière les vêtements. Le sac il est mieux. Non, l'inverse. C'est l'inverse. Il est fouillé. Voilà. Et là tu peux prendre. Rien, je crois. Ah, si. Alors, il était mais vraiment voilà comme ça derrière les vêtements là. C'est lui, c'est lui, c'est lui. Il a toujours pas bougé. Il est sur ma gauche, hein. Enfin sur ma droite, pardon. Non, 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 il est sur ta gauche. Il est derrière les vêtements là-bas. Non, tu vas tirer Nick, là tu vas tirer Ken. Là-bas, il est là. Exactement là-bas. Il se planque derrière le magasin. Ah oh merde, je peux pas passer. Chut. Il m'a bloqué le bâtard. Ah, il y va lui. Il est plus courageux que moi. Mais bouge, hein, au pire. Combien de temps il te reste? Ça fait double haut. Quatorze minutes, ça va. Va falloir que tu descendes par les escalators. Faites là, tout le monde. Et après? Il faut que tu ailles vers là-bas. Vers où là-bas? Tourne-toi vers là où tu regardais en fait. Vers la gauche. Là où il y a le magasin rouge? C'est ça. Ce magasin comme tout à l'heure comme on a fait. On va garder les coins sombres. Il
par la grande porte. Non, de l'autre côté. Celle-là là ? Ouais. À ta droite, tout de suite, t'as un coffre. Encore à droite, voilà, encore à droite. Ah oui, prendre. Là-bas, ouais. Vide. Il a déjà été fait. Ouais. Tu vas prendre vers la droite. Ouais. Le long couloir là que tu avais. Oh, voilà. Fouille des trucs comme je t'ai dit avant là. Fouille des. Vide. Voilà. Les caisses à outils. Ils ont déjà été faits. Ok, trace. Arrête de courir. Et après, après, voilà, là tu vas prendre à droite, derrière les conteneurs. Là-bas, ouais. Sans courir, récupère ta stamina. À droite, oh. À droite. Ah. Hein? Voilà, là, c'était bien. Reviens. Ici, là? Entre les conteneurs. Voilà. Tu vois les barils? Ouais. Saute dessus. Magique, hein. Caché comme ça. Voilà. Tu vas sauter sur le truc d'en face, le vert. Non, redescends pas. Ouais, pas. Ouais. Sur celui-là, là ouais. Ouais, par contre, va falloir que tu cours et il faut que tu sautes là-bas. Hein ? Super. Non, pas par là. C'est chaud par là. Et en plus, je me suis pris. J'ai le bras qui est blessé, je viens de capter. T'as blessé, ouais. Récupère ta stam. Voilà. Alors, saute sur le baril vert, sur le conteneur. Voilà. Va au bout. Voilà. Recule à max. En courant, il faut que tu sautes là-bas. Mais. Putain! T'as pas couru? Bah, et pourtant, j'appuie sur la touche, hein. Je te jure. Oh là là, mais quel teubé que je suis, je te jure. Oh, au pire, laisse tomber. Regarde, reviens. Si ça se trouve, il y a rien dedans. Ouais. Je suis un vrai teubé. Descends. Fais droite. On sort? Non, reviens vers les conteneurs. Ouais. Droite, ici. Là, tu prends à gauche. Voilà. Attends. Non, m'écoute pas parce qu'il y a une seconde de décalage. Arrête-toi. Oui. Fais demi-tour, tourne-toi vers les conteneurs. Tu vois, il y a un conteneur ouvert là. Ouais. Va dedans. Ah oui, la petite caisse. Oh, ça c'est plein. Ah. Faut d'abord que je la prenne. Une crosse V. Ah oui, non. Oui, c'est un truc à mettre. Ouais. Alors, tu vas sortir du conteneur. Oui. Et t'attends. Prends à gauche. Non, tu es parti trop loin. Ouais, à gauche. Trop loin. Tu vas prendre entre les conteneurs là. Derrière toi. Encore. À gauche. Oh putain, c'est dur à expliquer avec le décalage. Non, c'est pas là. C'est pas là. C'est entre les deux autres conteneurs. Ok. Là. Voilà, c'est là. Là, il y a un conteneur ouvert. Tu vas aller dedans.
Oh la galère. J'ai l'impression Dire d'être un... Ah avec le mais... décalage. Tu sais que j'ai l'impression d'être un aveugle en vrai. Non, c'est pas ça, c'est que moi j'explique mal avec le décalage. C'est ce que tu fais? Ouais. Ouais, là dans ton sac là, c'est bon. Nickel, parfait. Là, c'est bon, on va s'extraire. Tu vas sortir. Ouais. Attends, il y a quelqu'un qui court. C'est dehors, c'est d'esclaves. Sûr, hein? Ouais, pratiquement. Je sors à droite. Ouais. Non, c'était pas un scab. Je me suis fait décoiner. C'est le même qui m'a buté? Je pense. Snash Perista, si, c'est le même. Donc il était sur ma gauche, hein. Les mecs qui attendent jusqu'à la fin pour buter des scaves, quoi. Il était sur ma gauche, le gars. Ouais, c'est pas grave. Scav, c'est gratuit, c'est pas grave. Ouais. Mais c'est relou, les mecs comme ça qui attendent jusqu'à la fin Ouais, pour c'est buter vrai. des scaves. On va Bernard, repartir c'est... avec notre perso, du coup, hein. Ouais. Eau, bouffe. Ah, je suis pas énorme, faudrait que j'augmente peut-être. C'est quoi pour récupérer plus vite dans la planque? Pour la bouffe, bah, c'est tout ce qui est cuisine, c'est côté médical. Alors attends, je vais juste voir parce que si je peux pas faire quelque chose, parce que bon. Pour la flotte, c'est réserve d'eau. Le récupérateur. De toute façon, je pense que c'est par étape. Il faut d'abord que je fasse la soufflerie et machin. Et après, je débloque des trucs au fur et à mesure, c'est ça? C'est ça. Ouais, donc on va déjà faire ce que je peux faire avec les quelques roubles que j'ai. Ah, la production qui se termine dans 5 minutes, c'est parfait ça. Donc, on va faire la ventilation. Voilà. Ah, tout ce que tu peux construire avec les roubles, fais les tâches. Ouais, c'est ce que je suis en train de faire en fait. Là, je me dis que ça sera mieux. Qu'est-ce qu'il y a en vert? Fais... Voilà. Parfait. Donc c'est tout, je crois. Après, pour se Bon, t'as encore des déplacer. trucs en vert, hein, à droite. Comment on fait pour se déplacer dans ce truc-là? Tu glisses ta souris vers la droite. Oh, bien vu. Non, j'ai plus rien. Non, l'autre droite. Du coup. Ah oui, là, le repos du guerrier. Ok, parfait. Ça, là, tu gagnes en temps de suppression des effets négatifs et tout ça. Parfait, voilà. On peut y aller. Donc, ouais, je te suis. On va sur douane? Ouais, du coup, douane, ouais. Oh là, on va prendre 7 heures, je crois. À 7 heures, ouais. On n'assure rien. Enfin, pas pour moi, du moins. Et rechercher. C'est le bon, oui, c'est le bon cette fois-ci. Allez, c'est parti. Ah, la prochaine fois que j'ai une arme et que toi t'as un pompe, on échange direct. Ouais, mais bon, t'es pas sorti quand même là. Bah, c'est pour ça. C'est au moins toi, avec l'arme que j'avais, t'aurais pu lui mettre sa tête bien, bien comme il faut, tu vois. Et alors? Ouh Ah, j'aurais été avec mon PMC, je l'aurais fumé le mec. oh. Grave. En même temps, c'est ça quand tu joues en scav, c'est que tu peux te faire du stuff sans en perdre, mais on te donne pas n'importe quoi non plus, tu vois. Ouais, c'est ça.
Ça y est, il est vénère. Il m'a dit, bah maintenant, vu que t'es pas là pendant une semaine, mes congés sont niqués. Il a prévenu personne qu'il avait congé. Il a prévenu personne qu'il avait congé. Toi aussi en recherche d'une partie? Ouais. Ok. Et toi, c'est le bras aussi que t'avais, toi hein? Ouais, l'épaule. Pourquoi ouais, t'as l'épaule. Quoi, toi? Bah, moi, je me suis fait une luxation tendinitaire. Oh, putain. En fait, je me suis cassé la gueule sur le parking du boulot et pour me rattraper, au lieu de tomber à plat comme une merde, j'ai voulu faire, tu sais, me rattraper avec une roulade, tu vois, parce que j'avais la clope électronique en main. Et en fait, l'épaule, elle est partie en arrière, quoi. Et j'ai continué à bosser de vendredi jusqu'à mercredi. Et après, j'avais trop mal. Et vu que j'ai forcé dessus, bah, ça m'a fait une tendinite par-dessus. Mais du coup, tu dis quoi? Repos juste ou... Bah, c'était 2 semaines. J'ai dit au médecin que je pouvais pas me permettre 2 semaines parce que c'était la merde de boulot, donc il m'a mis une semaine. Et quand j'ai envoyé un message à mon chef d'équipe, là, il m'a dit « Ouais, tu m'as niqué mes congés, machin », alors qu'on n'était pas au courant qu'il avait des congés, quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'on s'en fout de ces congés? C'est ta santé qui est plus importante que ces congés. Ah, les gens comme ça, ça m'énerve. Moi, j'étais au boulot, j'ai le ligament qui s'est pété. Ouais, mais toi, oui, c'était pire, ça. Ouais, bah, mon patron... Mais t'as fait ça comment, d'ailleurs? Mon patron, il m'a pas fait chier, hein. Il m'a dit, en soulevant un truc. Oh, putain. Mon patron, il m'a direct dit, tu vas direct à l'hôpital, machin. Je lui ai dit, au bout de 2 semaines, il y a eu le truc, ouais, tu vas te faire opérer, machin, c'est obligé. J'ai appelé mon patron, j'ai dit je vais me faire opérer, ça va durer minimum 6 mois, maximum 2 ans, tu vois. Wow, putain, ouais. Il m'a fait, c'est ta santé, il n'y a pas de problème. Quand c'est t'apprends ça, important. Putain, t'en as entre 6 mois et 2 ans, ça pique. Ouais, et puis dans ta vie en général, en fait. Hein. Ouais, bah oui. Parce que moi, je m'aperçois, juste pour ce que j'ai, tu veux te laver étanchi, tu veux t'habiller étanchi, mais alors toi, tu devais t'amuser. Ouais. C'est une galère. Après l'opération, c'est une galère. Ah, t'avais fait des trucs avec le froid et tout. Ouais. Ouais. Je suis allé en cryothérapie, ouais. Ça, c'est stylé, quand même. Ça fait du bien, hein. En tout cas. Ça m'a vachement aidé à guérir, en fait. À guérir plus vite. Et puis après avoir une petite amie kiné, ça aide aussi. Ah oui, tu m'étonnes. Allez, cette fois on essaie de sortir vivant. Tiens, attention, pas que je t'approxie avec. Bien joué. Gauche, droite, droite, gauche, t'es là mon pote. C'est toi là-bas là, ouais, ou c'est quelqu'un d'autre? Non, c'est moi, c'est moi. Je tire, hein? Non, j'ai qu'un. Oh, c'est moi, c'est moi. Oh, oh, oh. Oh, je vais t'en mettre une dans la tête, tu vas pas comprendre. On est dans la sortie exactement au même endroit qu'avant. Ouais. Carrefour par carremorque, ok, c'est bon. J'ai une connexion de Péruvien. J'ai une connexion de... T'as toujours pas la fibre chez toi ou pas? Non, bah non, en fait, tu sais quoi, c'était prévu il y a 2 ans. Ensuite, ils ont mis un mot, il y a 3 mois, ils ont mis un mot dans notre immeuble comme quoi ils étaient en train de raccorder Orange, raccorde la fibre et tout machin. Et à chaque fois que je fais des tests, et bah c'est toujours pas. Donc je sais même pas quoi dire en fait, vraiment. Je suis toujours avec ma connexion 4G pour les lives. Est-ce que tu reconnais là? Tout à l'heure, on était ici. Oui, le fameux mur cassé, oui.
le repère du mur cassé. Alors, il peut y avoir des joueurs en face, comme tout à l'heure. Hein. Ouais, il y avait la première tente là. Ensuite, on aura un groupe de tentes là-bas, un peu plus loin. D'ailleurs, je vais juste faire un tour à la tente parce que ça se peut qu'il y ait des clés USB à la tente. J'ai besoin de clés USB. Ah, sur la gauche. Sinon... Pas d'USB. Ça, c'est les dortoirs à notre gauche, hein, c'est ça? Ouais, à notre gauche, c'est les dortoirs. C'est là où il y a du monde. Ça a tiré là, par contre, ça a tiré près du dortoir là, je crois. Alors, j'ai halluciné, c'était un ricochet. Et alors, oui, il peut y avoir des ricochets de malades dans le jeu. Hein. Sur le cadenas quand on est ici. Il y a 6 personnes sur ton live. Hein? Il y a 6 personnes. Ouais, je sais pas qui c'est. C'est calme les lives ces derniers temps, je sais pas si ton côté aussi. Oh, ça fait un moment que j'ai pas live moi. Tu galères à avoir du monde. Hein. Ça a l'air calme. C'est calme, il n'y a personne. Je me demande même si on va pas rentrer dans les à l'intérieur. Aïe. Quel con. Tu m'as fait peur. Je me suis fait peur tout seul, je te rassure. C'est loin. Par contre, Big Red, ça tire. Big Red au pont. En face de nous, Sclave. Il y a un joueur. Il y a un joueur qui tire sur le Sclave. Sur le pont. Il a fait demi-tour sur le pont. J'ai pas la même visée que toi, malheureusement. Alors faut faire gaffe parce qu'il peut arriver en phase. Et en traverse. T'arrêtes pas, hein, parce qu'il y a l'esclave.
Ça tire dessus? C'est qui tire là? Mort. Tu l'as eu? Ouais. C'était un scav. Hein. Alors attends, maintenant il faut faire gaffe à celui qui est sur le pont. Par contre, le nombre de balles que j'ai dû foutre sur ce scav, mon gars. T'es passé où? Je suis au rocher en bas. Ok, le fameux rocher, ok. Moi je reste juste sur le haut au cas où qu'il y en a un qui vient. Moi c'est le joueur qui était sur le pont qui m'a... Je dis c'était pas un scav. Toi qui viens de faire un bruit de buisson. J'en ai deux qui sont sur la route en haut. C'est des esclaves ça. Ouais, à l'opposé de... Enfin à l'opposé. La route à côté de là où on a tué le premier scav. Il me reste 35 minutes. C'est toi qui tire là encore? Non, c'est pas moi. C'est toi dans l'arbre okay. Au bord de route là? Oui, oui. Oh, ok. En train de tirer, c'est cool. T'en as un qui est derrière le bâtiment là-bas que tu vois là. Un mort. Derrière le petit bat, il était passé là-bas derrière. Il y en a un qui est mort là. Et t'en avais un qui était le long du mur. Derrière, le long du mur beige. Le long du mur, il est mort. Et bah t'en as un derrière le petit bâtiment là, où il y a la voiture devant. Il est passé derrière juste avant. Okay, on s'en fout. Moi maintenant c'est l'autre le joueur qui m'intéresse. Il y avait un joueur sur le pont. Et je le vois plus. Et ça c'est problématique parce qu'il va nous attendre lui. On y va. Vas-y. On n'a pas le choix de toute façon.
J'arrête pas, même si on les tire dessus. Parce que là, ça risque fort de nous tirer dessus. Là. C'est moi qui est en train de remonter vers le ouais, point, hein, fais gaffe. Ouais. Ah, je le vois pas, je sais pas où il est allé. Hein. Oh, vas-y, tant pis. Hein. Vas-y, fouille. Hein. Protège-moi. Une clé. Prends. Une fois que t'as fini de fouiller, mange et bois. Tu vas devant? Ouais, c'est bon. T'as mangé et t'as bu? En fait, ça va augmenter ta résistance et ta force. Allez, bois, mon pote. Allez, on est parti. Fait traverser son danger. T'es dans Big Red? Ouais. Hein? Ah, fais gaffe, trace. Il était sur la gauche. Entendu. On le rush ou on le rush pas, je sais pas ce que je fais. Mort. Oh le réflexe que je lui ai mis lui. Oh là là, à travers les deux murs là. Oh là là. Oh t'as été méchant. Qu'est-ce qu'il foutait là? Qu'est-ce qu'il foutait là s'il te plaît? Moi, je te laisse le fouiller. Il est là. Ah, il était là. Dans les buissons. C'est pas lui que tu cherchais? Non, c'est pas lui que je cherchais. C'est l'autre qui était dehors. Mais lui, il était dans les buissons, ce connard. Putain, je lui ai mis un réflexe, par contre, à lui. Ok, on rentre dans Big Red. Ok.
Ouais. Je te suis. Par contre, la clé, je sais pas du tout à quoi elle sert. Tu y as marqué quoi? Alors attends, je vais la regarder. Planque-toi pour la regarder. Clé de cabinet. Ouais. Clé de cabinet, ah oui, je vois laquelle c'est. C'est pour une petite baraque là-bas. En plein milieu. C'est qu'on n'a pas croisé l'autre connard. Extraire. Tu vas faire pas mal d'XP là, t'as tué pas mal de monde. Non, j'ai rien tué moi. Mais si. Un mec. L'autre, il était. Ah mais l'autre il était trop loin pour moi. Je leur ai tiré dessus, mais en fait j'ai pas de lunettes, j'ai rien. Donc le gars il s'est planqué derrière la baraque, j'ai plus jamais revu. C'est toi qui l'as eu après. Ah non, deux. Ah. Tu me disais bien. Apparemment, j'en ai tué deux. D'accord, ok. J'étais pas sûr. Mais... Et je les ai même pas lootés, ils avaient des AK, putain. Merde. Tu sais que le joueur que je cherchais depuis 10 ans sur le pont, je l'ai buté en fait. Arrête. Ouais. Oh putain. On aurait pu aller le looter. Ah, mais mec, mais tu sais quoi? Mais en plus, là, je viens de m'apercevoir que j'ai tué deux mecs, enfin deux scavs à l'AK. Et en fait, je rentre avec un pauvre fusil à pompe, un 108 là, ou je sais pas quoi. Putain, on aurait pu aller looter le mec sur le pont. Pour moi, il s'était enfui, je l'avais pas buté. Mais en fait, il est mort d'hémorragie, je pense, plus loin. Bon, bah. On va faire un peu de rangement. Ouais, mais là, le toz, là, je peux le virer, non? J'ai pas besoin de garder ça. Non, le toz, tu le vires, c'est ta merde. Ouais, on est d'accord. Alors, je vais le ranger là, on va aller le virer. Là-dedans, j'ai les chargeurs qui vont avec. J'ai trouvé une plaquette de 4 antidouleurs. Ça, par contre, je garde. Les chargeurs, tu peux quitter, je suis. Ouais, chargeur, je vire. Ça, par contre, c'est quoi? Il y a des trucs que j'ai pris, je sais pas ce que c'est. Je vais là, tu peux le vendre. Ouais. J'ai du LCD et du GPX. Ça, tu gardes. Ok. On va le mettre en bas. Hop. Hop, allumette aussi. La clé, je la laisse là. La clé, tu la laisses aussi. Ouais. Hop, hop. Tac, tac. Les bandages, je peux en laisser ici. Voilà. Et il va falloir que juste que je refasse mes chargeurs. Et puis ça va être pas mal. Il va falloir que j'achète des balles, à mon avis aussi. Ouais. C'est ça qui va dedans? Ah oui. Ok, nickel. Va falloir que j'achète des balles. Déchargé, celui-là il est plein. Ok, c'est bon. Ok, je vais passer chez le marchand vite fait, vendre ça. Hop. Quête. Tenez. Donc j'ai dit ce qu'on vend, c'est ça et ça. Par contre, il me prend pas le toz. Je vais le vendre à qui le toz? Ok. Et le petit gilet, je peux le vendre aussi là, non? La petite veste que j'ai ramenée, la gilet scave là. Non, lui il prend pas. Non, c'est pas chez Fan ça. Merde, j'ai pas regardé chez qui t'as vendu. Regman. Ouais. Ouais. Ça commence à rentrer tout doucement. Ok. Alors, moi je vais bouger là. Bon, mais ouais. Si jamais tu veux faire une partie, dès que tu rentres en partie, tu fais double haut.
Ouais. Comme ça, il te dit où tu dois sortir en fait. Ok, ça marche. Ça roule. Et à partir de là, tu peux ouvrir. On voit. Ça marche. Le lien. Tu ouvres cette map. Ouais. Et tu peux voir. Quelles sont tes sorties en fait. Tu vois, il te dit portail administratif,